Imaginez un monde globalisé. Une planète sous étroite surveillance. Où les hommes sont programmés, formatés, conditionnés pour accepter leur servitude. Un monde de la désinformation, du mensonge généralisé, où 2 et 2 font 5. Où la liberté n'est plus qu'une illusion. La réalité d'aujourd'hui est en passe de rejoindre la fiction d'hier. Il y a plus de 70 ans, 2 écrivains ont été les premiers à lancer l'alerte. 2 Anglais visionnaires, Aldous Huxley et George Orwell. Auteurs des 2 chefs-d'œuvre du roman d'anticipation, Le meilleur des mondes et 1984. Dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley décrit, dans un Londres futuriste, une civilisation des loisirs, futile et hédoniste, gouvernée par les technosciences. De l'autre côté de la Tamise, George Orwell imagine dans 1984 des citoyens travailleurs placés sous l'œil et la botte de Big Brother, privés de toute liberté. Et nous, à l'heure du triomphe des biotechnologies, des mass-médias et des réseaux sociaux, sur quelle rive risque-t-on d'échouer ? Orwell ou Huxley ? D'un côté, Aldous Huxley, le privilégié, l'intellectuel, le dandy. De l'autre, George Orwell, l'humaniste, le bagarreur, le révolutionnaire épris de nature et de solitude. 2 Anglais aux tempéraments opposés qui se sont côtoyés, appréciés, puis querellés. Huxley fut le professeur d'Orwell avant que les 2 hommes ne se perdent de vue. Ce sont leurs romans qui les réuniront, mais ils ne parviendront jamais à se mettre d'accord sur leur noire vision du futur. Tout, dans leur mode de vie comme dans leurs livres, exprime leurs antagonismes. Jusqu'au lieu où ils ont écrit. Orwell s'enfermera pendant 2 ans entre 4 murs sur une île d'Écosse, battue par la pluie et les vents. Huxley optera pour la douceur d'une station balnéaire de Méditerranée. En 1930, Aldous Huxley se retire à Sanary-sur-Mer, sur la Côte d'Azur, loin de la Grande Dépression et de la montée des nationalismes qui ébranlent l'Europe. Nous sommes en train d'emménager dans une petite maison donnant sur la Méditerranée. S'il vous venait à l'idée de revoir à nouveau le vieux monde, rappelez-vous bien de notre adresse. 30 minutes de Marseille, 10 de Toulon. Dans cet havre de paix, fréquenté par de nombreux intellectuels britanniques, Aldous Huxley, en compagnie de sa femme Maria Nice et de leur jeune garçon, Matthew, profite de la plage, écoute Beethoven et observe de près les comportements de l'intelligentsia européenne. À 36 ans, Huxley est un jeune écrivain en vogue, un critique social caustique et un mondain assumé, toujours tiré à 4 épingles. C'était quelqu'un de très élégant. Il y a cette anecdote très amusante de Virginia Woolf lors d'une traversée sur un ferry. Elle repère sur le bateau Huxley et sa femme, vêtue comme pour un shooting pour le magazine Vogue. Et comme elle ne se sentait pas assez bien habillée pour les rencontrer, elle est allée se cacher derrière la cheminée. Il était vraiment très à l'aise en société. Outre l'écriture à laquelle il consacre ses journées, Huxley se passionne pour la science et les innovations technologiques. La radio qui pénètre les foyers. Mais aussi et surtout la médecine et la biologie. Son grand-père, Thomas Henry Huxley, est un éminent zoologiste et anatomiste, grand défenseur de Darwin. Son frère, Julian, est un biologiste et théoricien de l'eugénisme. Quant à son demi-frère, Andrew, il remportera en 1963 le prix Nobel de médecine. Il venait vraiment de ce milieu, et je pense que cela a conditionné. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a quasiment jamais écrit dessus. Pourquoi n'en a-t-il pas plus dit sur cet héritage intellectuel ? Était-ce parce qu'il voulait être un homme moderne ?
Après la Première Guerre mondiale, des intellectuels comme Huxley étaient tellement en colère contre la guerre qui avait tué tant de leurs amis qu'ils voulaient tourner le dos au passé et regarder vers le futur. Ce que Huxley voit se profiler à l'horizon ne le rassure guère. Dans le contexte bouillonnant de l'entre-deux-guerres, il s'interroge sur la place de l'individu dans un monde qui court vers la production et la consommation de masse. Il veut en faire le sujet de son prochain livre. Un récit ironique et féroce, à rebours de la plupart des romans de science-fiction de l'époque, qui défendent l'idée que le progrès scientifique ferait le bonheur des hommes. En mai 1931, Huxley s'isole dans son bureau pendant 4 mois et imagine un monde où la science, sous couvert d'apporter confort et stabilité, devient un instrument de contrôle visant à conditionner et asservir l'humanité. Son livre se nourrit des débats eugénistes qui animent la communauté savante des années 30. Huxley est atterré par ceux qui voient dans les progrès de la génétique un moyen d'organiser la société et de justifier les inégalités. Et plus encore, par certains scientifiques aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui stérilisent les handicapés et les personnes jugées socialement inaptes. Aldous Huxley vivait à une époque où les gens parlaient d'élevage sélectif, d'eugénisme, de la possibilité de conditionner les êtres humains en induisant chez eux des comportements, en leur parlant durant leur sommeil. Huxley a extrapolé ces histoires, ces technologies, en y ajoutant les drogues et les médicaments pour en faire une fable sur le contrôle ultime. Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils sont à l'aise, ils sont en sécurité, ils ne sont jamais malades, ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont conditionnés de telle sorte que pratiquement ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Huxley nous prévient ainsi que nous pourrions aller vers une société qui nous contrôle tous par le plaisir et non par la souffrance. Et ce serait alors une civilisation de laquelle il serait bien plus difficile de s'échapper. Qui va se rebeller contre le plaisir? Huxley se plaît dans son livre à inverser toutes les valeurs du puritanisme de l'ère victorienne. Mais sous cette apparente libération des mœurs, se dessine une société inégalitaire, divisée en castes. Au sommet de la pyramide se trouvent les individus alpha, et tout en bas, les epsilon. Son héros, Bernard Marx, est le seul à opposer une résistance à ce conformisme de masse. Une indépendance d'esprit qui s'explique par un accident lors de sa conception. Bernard Marx, c'est un alpha et même un alpha plus, donc c'est quelqu'un qui a des capacités cérébrales très importantes, mais malencontreusement, au moment où on le conditionnait, le bruit court que des gouttes d'alcool se seraient échappées dans son sang et du coup, eh ben, il est petit, catastrophe, il est morico, il n'est pas beau gosse. Et comme il n'est pas beau gosse, eh bien, il a beau être un alpha plus, ce n'est pas un mâle dominant. Et comme ce n'est pas un mâle dominant, il n'a pas accès à toutes les femelles qu'il enthousiasmerait, et ça crée chez lui une profonde frustration. Il se sentait un paria, et se sentant un paria, il se conduisait comme tel. Chose qui, à son tour, accroissait le sentiment qu'il éprouvait d'être étranger et solitaire. Bernard Marx tente de séduire la belle Lénina. Il l'emmène dans une réserve naturelle, loin du meilleur des mondes. Au cours de leur escapade, le couple rencontre un individu qui a échappé à toute forme de conditionnement. John, dit le sauvage. Et donc il va ramener ce sauvage, comme au temps d'ailleurs de l'Amérique, hein, et les colonies ont ramené des sauvages à la cour d'Angleterre pour les faire voir. Donc il va ramener ce sauvage et il va se faire un vaste succès médiatique et érotique du même coup. J'ai eu 6 femmes la semaine dernière, confia Bernard Marx. Une lundi, 2 mardis, encore 2 vendredis et 1 samedi.
Et si j'en avais eu le temps ou le désir, il y en avait encore une douzaine au moins qui ne demandaient pas mieux. Dans un magazine, Huxley avait dit ne pas être intéressé par le monde des plaisirs. Il trouvait cela ennuyeux. Mais je pense que c'est contredit par ce que nous savons de sa vie. Il vivait dans des relations parfois très compliquées avec sa femme Maria, qui était bisexuelle. Et lui trouvait souvent des maîtresses. Dire qu'à l'époque, dans l'Angleterre des années 20, ce n'était pas conventionnel, c'est un euphémisme. À sa publication en 1932, Le meilleur des mondes est ovationné par la critique. Mais plusieurs pays, comme l'Irlande et l'Australie, y voient une incitation à la débauche et demandent même à ce qu'on brûle les livres. Une polémique qu'Aldous Huxley suit d'un œil amusé depuis sa propriété de la Côte d'Azur. Au même moment, de l'autre côté du Channel, un homme se bat pour survivre. Journaliste dans la dèche, George Orwell explore les bas-fonds de Londres, partage le quotidien des vagabonds, écrit sur leurs conditions de vie. Mais il ne parvient pas à vivre de sa plume et enchaîne les petits boulots. Jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate. L'Europe bascule dans le chaos et désormais la majeure partie du continent vit sous dictature. En 1943, Orwell écrit « La ferme des animaux », satire dans laquelle il dénonce le stalinisme et les dérives de la révolution bolchévique. George Orwell a 40 ans et pense déjà à son prochain roman. L'histoire d'un régime totalitaire, cauchemardesque et destructeur. 1984, au départ, devait s'appeler « The Last Man in Europe », le dernier homme en Europe. Donc, ça voulait dire la destruction. C'était une trilogie au départ, qui s'appelait « Les vivants et les morts ». Il y avait un premier tome qui n'a jamais été écrit. « La ferme des animaux » constituait le deuxième volet. Et le troisième et dernier, c'était « Le dernier homme ». La fin, c'est la fin. On a tout détruit. ...1946. Londres n'est plus qu'un champ de ruines. George Orwell fuit la capitale et embarque sur un ferry. Direction l'île de Jura, en Écosse. Une terre pelée et austère, cernée par les rochers et peuplée de cerfs, qui deviendra son refuge d'écriture. Un lieu insaisissable, écrit-il, où il va s'atteler à la rédaction de son grand œuvre. À 1000 lieues du confort ouaté d'Aldous Huxley, il emménage dans ce cottage isolé, à Barn Hill. 4 murs, une machine à écrire, du tabac. Orwell n'a plus rien à perdre. Sa jeune épouse Eileen vient de mourir des suites d'un cancer. Il se retrouve veuf et père d'un jeune garçon adopté, Richard, 3 ans. Richard Blair vit aujourd'hui à Long Islington, dans le centre de l'Angleterre. Quand on était dans la maison, vous pouviez entendre les tap-tap de la machine à écrire de mon père, dans sa chambre à l'étage. Chaque soir, sa jeune sœur Avril montait lui porter une tasse de thé. Et il était là, dans sa chambre, avec un chauffage à huile qui faisait beaucoup de fumée. Les fenêtres fermées, et il fumait comme un pompier. Il était vraiment un très gros fumeur. À 44 ans, Orwell souffre de la tuberculose. Il sait que son temps est compté. Alors il tape sur le clavier à longueur de journée et fume comme un sapeur jusqu'à en cracher ses poumons. Bah, il travaille dans son lit déjà parce que le médecin lui a dit « vous bougez pas de votre lit, ça suffit les bêtises, il tousse, et il a des pneumonies à répétition, il crache du sang, enfin il est malade quoi ». Alors il n'avait pas trouvé de dactylo à Jura, évidemment, loin de tout, il n'avait pas trouvé quelqu'un qui pouvait dactylographier son texte et c'était lui qui le faisait. Donc vous imaginez les énormes machines à écrire qui devaient peser 15 kilos et il avait ça dans son lit et il tapait à la machine, ça n'a pas dû arranger sa santé. Et je pense qu'il était, bon, il a travaillé dans un état, je pense qu'il travaillait tout le temps. Il était pressé de décrire ce texte, il avait
toutes ses idées en tête et c'était une course contre la montre. 1984 décrit un monde scindé en trois blocs qui se livrent une guerre perpétuelle. La population est maintenue dans le dénuement, sous l'œil menaçant de Big Brother, incarnation d'un pouvoir répressif, bureaucratique et omniscient. Dans ce décor post-apocalyptique, il y a un personnage qui s'appelle Winston, qui a 39 ans, qui a un ulcère variqueux à une jambe, qui est un peu malingre, un peu mal dans sa peau, quelque peu dépressif ou subdépressif, et qui, depuis des années, d'un monologue intérieur qui le tourmente, se pose des questions qu'il ne devrait pas se poser. Ce n'est pas un dissident, ce n'est pas un révolutionnaire, comment le pourrait-il ? C'est un inadéquat. Ainsi commence l'histoire. Il était vrai que Winston ne se souvenait de rien qui fût très différent. À aucune époque dont il put se souvenir avec précision, il n'y avait eu tout à fait assez à manger. Le mobilier avait toujours été bosselé et branlant, les pièces insuffisamment chauffées, les rames de métro bondées, les maisons délabrées, le pain noir. Rien n'était bon marché et abondant, à part le jean synthétique. On avait toujours dans l'estomac et dans la peau une sorte de protestation. La sensation qu'on avait été dupé, dépossédé de quelque chose à quoi on avait droit. Personne n'a jamais mieux compris, je pense, le fonctionnement des systèmes totalitaires, mais aussi sur, pas seulement le fonctionnement, mais les principes philosophiques qu'il y a derrière, comme George Orwell. D'emblée, dès les premières pages, il nous met dans un univers qui est terrifiant. Les gens vivent dans des conditions misérables, ce télécran qui les surveille en permanence, et puis dans son ministère, les gens qui disparaissent comme ça subitement, ou bien tel, et puis le silence, personne même ne remarque qu'il a disparu. George Orwell nous fait prendre conscience de notre propre peur pour réagir, comme donc un levier pour nous amener à nous révolter, absolument. Quand on lit ce roman, il est écrit au scalpel. La première partie du roman, qui est, je dirais, la partie d'exposition, qui nous fait connaître cette société et la place que Winston y occupe, est particulièrement froide, glacée. La deuxième, qui est la rencontre avec Julia et la découverte du sexe et de l'amitié, et pourquoi pas de l'amour, celle-là a des moments lyriques. Dans l'ancien temps, un homme regardait le corps d'une fille, il le trouvait désirable, et l'affaire était faite. Mais aujourd'hui, plus d'amour pur, plus de désir pur, il n'y a plus d'émotion pure. Aucune émotion n'était pure, car elle était mêlée de peur et de haine. Leur embrassement avait été une bataille, leur jouissance, une victoire. C'était un coup porté au parti, c'était un acte politique. Orwell a pensé que l'amour est un moyen, offre une alternative à l'absurde, etc. Et peut-être un moteur de révolte et de révolution très intéressant. Et c'est comme ça, tout le roman de George Orwell est bâti sur ça. Un jour, la découverte de Julia, l'amour. Et là, voilà la nouvelle fantasmagorie. L'amour vaut bien tous les sacrifices, Paris vaut bien une messe. Donc, et l'amour l'amène donc dans la dissidence. L'amour est interdit dans la caste à laquelle il appartient. Eh bien, il aime. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, il sort d'un univers, il rentre dans un univers qui vont s'opposer jusqu'à la mort. Je ne suis pas satisfait du livre, mais je n'en suis pas absolument mécontent. Je pense que l'idée est bonne, mais j'en aurais tiré un meilleur parti si je n'avais pas été malade. 1984 est publié le 8 juin 1949. Malgré ses doutes, le roman s'impose immédiatement comme un chef-d'œuvre. Winston Churchill racontera l'avoir lu deux fois. Et Big Brother deviendra pour des millions de lecteurs la figure ultime du totalitarisme. État totalitaire broyant l'individu contre société de contrôle pourvoyeuse d'un bonheur et de plaisirs superflus,
tout semble a priori opposer les univers d'Aldous Huxley et de George Orwell. Et pourtant, un lieu, à 40 km de Londres, a réuni les deux hommes à la fin des années 1910. Une enclave hors du temps, fabrique des élites de l'Empire britannique, le prestigieux collège d'Eton. Ils se rencontrent dans cette salle de classe en 1917. Huxley sur l'estrade, Orwell derrière un pupitre, le maître et l'élève. Aldous Huxley connaît par cœur ses murs et les graffitis qui ornent les tables. Il y a suivi sa scolarité, comme tous les membres de la haute société britannique. Il y revient désormais comme professeur de français suppléant. Le jeune Eric Blair, le vrai nom de George Orwell, n'appartient pas à cette caste. À 14 ans, il obtient une bourse pour intégrer cette société d'héritiers qui lui est totalement étrangère. Pour ce fils d'un petit fonctionnaire de l'administration des Indes en charge du commerce de l'opium, la découverte de cet univers constitue un choc. La plupart des garçons scolarisés à Eton venaient de familles très riches. Leurs parents roulaient dans des Rolls et des Bentley. Ils étaient ducs, comtes, etc. C'étaient des gens extrêmement riches qui dirigeaient le pays. Mon père disait toujours que sa famille était de la haute moyenne basse société. Pour expliquer cela, haute société, car c'est ce à quoi ils aspiraient. Classe moyenne, car c'est de là dont ils venaient. Et classe inférieure, car ils n'avaient vraiment pas d'argent. Plutôt que de se fondre dans les traditions du collège, Orwell se passionne pour le roman noir. Il s'initie à la magie vaudou pour se venger d'un élève qui le harcèle. L'enfant sage se mue en adolescent rebelle. Seul le professeur Huxley capte son attention. Bien malgré lui, car l'enseignant traîne son spleen à Eton. Lui qui rêvait d'une vie de romancier a été contraint d'accepter ce poste quand son père lui a coupé les vivres. C'était un désastreux professeur qui n'avait aucune autorité, qui était incapable de faire régner l'ordre, mais Huxley a mis vraiment l'amour de la langue et des mots dans les oreilles de ses jeunes élèves, et ça je pense que c'est un apport qui est resté. Au contact du professeur Huxley, le jeune Orwell découvre Zola, Maupassant, Anatole France. Il écrit de la poésie et collabore au journal de l'école. La littérature, l'écriture deviennent pour l'adolescent récalcitrant un moyen de se faire une place dans le monde. Même s'il ne travaillait pas à Eton, il était capable de tenir une conversation intellectuelle avec n'importe qui, car il était très cultivé. Il passait le plus clair de son temps à lire. Il a lu tout ce qui était à sa disposition. Et cette étincelle qui lui a donné envie d'écrire est certainement née à Eton. Aucun des deux ne se plaît à Eton. Orwell accumule les mauvais résultats et décide de ne pas poursuivre ses études. Après 2 ans d'enseignement, Huxley démissionne de son poste. Il désire se consacrer pleinement à l'écriture, en finir avec ce qu'il appelle sa constipation poétique. L'univers clos et oppressant d'Eton servira de source d'inspiration aux deux écrivains. Il façonnera leur vision du futur, celle d'un monde cloisonné, immuable, hiérarchisé en société de castes où nul n'échappe à sa condition. Dans son roman, Huxley imagine ainsi une usine à bébés. Y sont produits d'un côté les alphas, l'élite physique, intellectuelle et politique du meilleur des mondes. De l'autre, les epsilon, masse ouvrière fabriquée à la chaîne suivant les techniques du clonage. Nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs administrateurs mondiaux. Tel est le but de tout conditionnement. Faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Le principe de la production en série, enfin appliqué à la biologie. C'est ça, Huxley. Huxley, c'est de dire, voilà, au lieu de vivre mal le déterminisme social qui est inhérent à nos sociétés, ce qui n'est pas totalement faux, on va biologiser l'éthos.
C'est-à-dire, en gros, bah, vous vouliez être directrice de mode, vous vouliez être boulanger, etc. Bah, dès le début, ça sera réglé, cette histoire. Et donc, comme ça, on évitera que les uns et les autres aient des envies autres, alors qu'ils ont un chemin clair et ils doivent s'y tenir. Donc ça, effectivement, ça peut être ressenti comme une dystopie délirante ou une utopie, puisque les gens n'auront même plus la possibilité de conscientiser leur servitude volontaire. Cette question d'une société prédéterminée selon des critères génétiques suscite de vifs débats au sein de la famille Huxley. Son frère, le biologiste Julian Huxley, est partisan d'un nouvel eugénisme qui viserait à améliorer l'être humain. Une idée à la fois répugnante et fascinante pour le romancier. Vous avez un couple absolument détonnant entre ces deux frères, l'un qui va penser la version rationnelle, totale, biologisante, eugénisante, entre guillemets, d'un côté, et puis l'autre qui va tenter par l'absurde, par la fiction utopique, mais qui est presque dystopique, de venir contrer cette idée-là. Et donc, vous avez deux frères qui, à l'intérieur même de leur nexus familial, de leur nœud familial, sont en train d'organiser la querelle future de l'humanité. Les États-Unis penchent aujourd'hui du côté des idées de Julian Huxley. Certains médecins ont même sauté le pas de l'eugénisme et proposent des bébés sur mesure. En Californie, au Fertility Institute de Los Angeles, le meilleur des mondes est devenu une réalité. Le docteur Steinberg fabrique des alphas sur commande. Nous avons actuellement 7000 embryons dans ces cuves. Et nous savons tout de chacun d'entre eux. De qui ils viennent, quand ils ont été produits et où ils iront. C'est dans ces cuves que le docteur Steinberg cultive les humains de demain. Ici, pour 20 000 dollars, des parents peuvent venir s'offrir la progéniture de leurs rêves. Ce que je suis en train de faire, c'est de la chirurgie sur un embryon humain. J'extrais quelques cellules pour analyser l'ADN et tout connaître de cet embryon. Jeffrey Steinberg aurait répertorié plus d'un millier de facteurs génétiques, déterminant non seulement la santé de l'enfant, mais aussi ses caractéristiques physiques. À partir de ces données, il dit pouvoir sélectionner un embryon qui répond aux désirs de ses clients. 400 futurs parents font appel à lui chaque année. La première chose que les parents demandent, c'est une fille ou un garçon. La deuxième chose, c'est la couleur des yeux. La troisième, c'est la taille. Les gens grands veulent des enfants plus petits. Les plus petits, des enfants plus grands. Les gens veulent toujours ce qu'ils n'ont pas. On a des demandes assez folles sur la taille ou certaines caractéristiques pour devenir un bon joueur de football. Une bonne danseuse, un bon chanteur, un bon athlète. Des demandes incroyables pour différentes choses. Évidemment, on n'a pas encore toutes ces possibilités. Nous avons repensé notre technologie. Il y a encore plus matière à s'amuser. La conception d'êtres humains sur mesure représente aujourd'hui un marché colossal. En 2020, la filière devrait rapporter jusqu'à 20 milliards de dollars. De quoi craindre l'avènement d'une nouvelle société de caste ? Dans le futur, il y aura plusieurs genres d'êtres humains. Et certains seront supérieurs d'une manière ou d'une autre. Si les riches ont accès à ces technologies en premier, alors leurs enfants seront des dieux par rapport à nous autres. C'est ce que les rois dans les anciennes sociétés disaient. Ils disaient que leurs enfants étaient meilleurs. C'était un mensonge, mais cette fois, ce sera vrai. Après leur passage à Eton, les deux écrivains empruntent des chemins opposés. En 1927, pendant qu'Aldous Huxley coule des jours heureux en Italie, George Orwell revient de Birmanie, où il a passé 5 ans dans les rangs de la police coloniale de l'Empire britannique. Quand il est rentré, il a dit à ses parents qu'il voulait devenir écrivain, ce qui les a agacés. Ils lui ont dit « Pourquoi as-tu abandonné un très bon travail de policier en Birmanie, bien payé,
pour devenir un écrivain sans le sou. En d'autres termes, tu entraînes la famille vers les tréfonds où tu sembles vouloir aller. C'est une des raisons pour laquelle il a changé son nom. Eric Blair est devenu George Orwell pour protéger sa famille. Il écrit plusieurs romans, il a beaucoup de mal à se faire publier au départ, donc il a des débuts un peu difficiles. Mais en même temps, il s'en accommode aussi parce que c'est son choix de vivre au plus près de ceux qui sont finalement les victimes du système. Assez vite, il a quand même développé cette idée que c'était du prolétariat que viendrait la solution et la révolution. Et que ce qui valait mieux être de ce côté-là, finalement. Les années 30. Une période charnière dans la vie des deux écrivains. Si Huxley s'inquiète de la montée en puissance des extrêmes, il se tiendra toujours à l'écart de toute forme d'idéologie. George Orwell, lui, est un militant socialiste chevronné qui voit dans la révolution sociale espagnole un espoir de changement. En 1936, il part à Barcelone se battre contre les forces nationalistes de Franco. L'écrivain rejoint les rangs du PUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qu'il décrit comme une sorte de microcosme de la société sans classe. Et ça le ravit, parce que lui qui pensait que c'était pas possible, que la société était irrémédiablement découpée en classes sociales infranchissables, là tout le monde se mélange. Et il se dit, donc c'est possible. Et il y a un fol espoir en fait qui naît de ces journées. Donc il part d'abord sur le front d'Aragon. Ils sont bien contents de le récupérer parce que lui au moins il a une formation de militaire, hein, donc il sait manier un fusil. Donc il devient instructeur en fait, parce qu'il y a des tas de jeunes gens qui n'ont jamais manié une arme de leur vie. Et bon, on se bat, hein, sur le front d'Aragon, on colle pas des affiches, hein, on tire des coups de fusil. Donc il devient instructeur. Et puis Orwell, il aimait bien se bagarrer, hein, c'était un peu dans son tempérament. Et là, il est blessé, il prend une balle dans la gorge. Alors, ça, c'est complètement incroyable. Une balle lui traverse la gorge. Et aucun organe vital n'est touché. Il est juste blessé au larynx, ce qui va lui donner une extinction de voix qui va durer quelques temps. Et puis après, je pense qu'il va conserver dans sa voix un petit voile qui va lui rester toute sa vie. Trahi par Staline et le Parti communiste, qui ne veulent pas d'une révolution en Espagne, Orwell et ses frères d'armes sont menacés. En juin 1937, l'écrivain anglais doit quitter à la hâte la Catalogne pour échapper à la prison. À son retour à Londres début juillet, son rêve d'une révolution fraternelle et libertaire s'effondre quand il découvre les informations mensongères diffusées par la presse communiste. La notion même de vérité objective est en train de disparaître de ce monde. À toute fin utile, le mensonge sera devenu vérité. Les injonctions, hein, qu'on trouve dans 1984, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, l'amour c'est la haine. À travers ces inversions de sens, hein, Orwell rend bien compte de cette perversion des régimes totalitaires qui utilisent le langage en vidant les mots de leur substance et en la remplaçant par l'exact contraire. Cette manipulation du langage est commune aux deux romans, tout comme la falsification de l'histoire. S'inspirant du ministère de l'Information du Royaume-Uni, où travaillait son épouse, Orwell invente dans 1984 un ministère de la vérité, qui s'occupe de tronquer l'information. Son héros, Winston Smith, y travaille et a pour tâche de réécrire les faits historiques pour qu'ils correspondent à la ligne perpétuellement changeante du parti. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances.
Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. Rejeter le témoignage de ses yeux. Une idée reprise quasiment mot pour mot et parfaitement assumée par Donald Trump à Kansas City, dans un discours face aux vétérans américains. Et rappelez-vous juste, ce que vous voyez et ce que vous lisez n'est pas la réalité. Ce qu'il dit dans ce discours incroyable, c'est que vous ne pouvez croire personne. Vous ne pouvez croire que moi. Je suis Big Brother. Je suis votre seul ami. C'est tout droit sorti de 1984. Felim McMahon est le directeur du Human Rights Center de Berkeley, la crème des universités californiennes. Chaque année, il forme plus de 100 étudiants à débusquer la vérité dans le flot ininterrompu d'informations contradictoires et mensongères qui se déversent aujourd'hui sur la planète. Orwell craignait ceux qui nous priveraient d'informations. Huxley craignait ceux qui nous donneraient tellement d'informations que nous serions réduits à la passivité et à l'égoïsme. Dans un monde, vous avez des gens qui veulent éliminer les faits. Dans l'autre monde, un système qui dit que les faits ne comptent pas. On voit aujourd'hui ces deux mondes dans le discours des gens au pouvoir. Ils essaient de nous dire que les faits ne comptent pas, en même temps qu'ils nous disent qu'il n'y a pas de faits. Le cours magistral terminé, Felim McMahon passe aux travaux pratiques avec des élèves de première année, Monica, Harry et Nikki. Il leur montre comment les mécanismes de propagande les plus grossiers sont toujours d'actualité. Je vais vous montrer une vidéo. Ce n'est pas un fake. Il s'agit de sources de confiance. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But the sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish things that simply aren't true without checking facts first. Sur des dizaines de chaînes de télévision locales de Sinclair Broadcast, géant des médias américains, des journalistes ont répété durant plusieurs semaines un monologue dicté par leur patron, étroitement lié à l'administration de Donald Trump. Un exercice de propagande vu par 38% des ménages américains. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. Bon, les amis, je vous demande, qu'en pensez-vous? Nikki, Harry, Monica, dites-moi. Moi, je me demande pourquoi ça s'est produit sur des chaînes d'information locales. Pourquoi est-ce qu'on leur a fait répéter ça là? Parce que ces chaînes d'information sont accessibles à chaque foyer et que tout le monde regarde les infos locales? Politiquement parlant, la manipulation de l'information est plus importante que jamais pour garder le pouvoir. La tactique est de désorienter les gens, de leur faire refuser la vérité qu'ils voient pourtant de leurs propres yeux. Le rapport des politiques à la langue aujourd'hui, il est... Alors encore une fois, je vais être trop caricatural. Et donc, je m'en excuse déjà. Mais il est assez désastreux. Qu'est-ce qui fait la démocratie? Qu'est-ce qui fait l'état de droit? C'est précisément un rapport préservé à la qualité de la parole. Pourquoi? Parce que l'état de droit considère que le premier outil de régulation dans la démocratie, c'est la parole. C'est pas la violence. Et donc, la parole, pour qu'elle soit régulatrice, il faut qu'elle soit identifiée comme viable, comme honnête. Believe me, believe me, believe me. Parce que sinon, vous dévitalisez le pouvoir performatif de la parole. Et donc, résultat, vous faites d'une parole qui, à un moment donné, est identifiée comme étant rien. Ça ou autre chose, c'est rien. Et donc, résultat, hop, on va directement vers ce qui va réguler la violence. La violence, l'hypersécurité, l'hyperordre, etc. Donc, préserver en démocratie le rapport qualitatif à la parole, c'est un enjeu politique. Propagande. To confuse, divide, soften up their intended victim. Aussi surprenant que cela puisse paraître, George Orwell a lui-même été un rouage de la machine à trafiquer l'histoire. En 1941, il est correspondant pour la BBC, en charge de la propagande vers l'Inde qu'il doit convaincre de participer à l'effort de guerre contre les nazis. Il s'exécutera sans sourciller durant 2 ans, avant de démissionner.
J'ai l'impression que si je retourne à ma vie de journaliste et d'écrivain, je serai plus utile que je ne le suis à présent. Pendant la guerre, les trajectoires des deux écrivains se croisent à nouveau. George Orwell découvre le roman de son ancien professeur et s'empresse d'en rédiger une critique acerbe. Le meilleur des mondes de M. Aldous Huxley était une bonne caricature de l'utopie hédoniste. Le genre d'événement qui semblait possible et même imminent avant l'apparition d'Hitler, mais qui n'avait aucun rapport avec le futur tel qu'il se dessine. Voilà qui est bien. Ce vers quoi nous nous dirigeons en ce moment ressemble davantage à l'Inquisition espagnole, ou probablement bien pire, grâce à la police secrète. Il y a très peu de chances d'y échapper, à moins de pouvoir rétablir la croyance en la fraternité entre humains. Je comprends qu'Orwell, durant la Seconde Guerre mondiale, vers 1940, se soit montré agacé vis-à-vis de la vision d'Huxley, qu'il trouvait un peu trop intelligente, trop complaisante avec la montée d'Hitler. Il considérait Huxley comme un intellectuel enfermé dans sa tour d'ivoire. Huxley ne prend pas la peine de répondre. Ce qui n'empêchera pas Orwell de lui faire parvenir un exemplaire de son roman 1984. Espère-t-il le convaincre du bien fondé de sa vision ? Aldous Huxley reçoit le livre de son ancien élève en Californie, où il vit depuis 1937. Cette fois, il adresse une lettre à Orwell. D'ici la prochaine génération, je pense que les leaders mondiaux découvriront que le conditionnement des enfants et que l'hypnose sous narcotique sont plus efficaces en tant qu'instrument de gouvernance que les matraques et les prisons. Et que la soif de pouvoir peut être tout aussi bien satisfaite en suggérant au peuple d'aimer sa servitude plutôt qu'en le frappant et en le flagellant pour qu'il obéisse. En d'autres termes, je sens que le cauchemar de 1984 est destiné à moduler le cauchemar d'un monde ressemblant plus à ce que j'ai imaginé dans Le meilleur des mondes. Jamais les deux auteurs ne parviendront à trouver un terrain d'entente. George Orwell aura juste le temps de lire la réponse d'Huxley avant de mourir à 46 ans, moins d'un an après la parution de 1984. En janvier 1949, il a quitté l'île de Jura pour la dernière fois. J'étais avec lui dans la voiture. Il a été transféré à l'hôpital universitaire de Londres en octobre 1949, où il est resté jusqu'à sa mort en janvier 1950. Richard Blair était sur le point de fêter son sixième anniversaire au moment de la disparition de George Orwell le 21 janvier 1950. La même année, du haut de la terrasse de sa villa d'Hollywood, Aldous Huxley pose un regard ironique sur les aberrations de l'American Way of Life. Il a fait cette fameuse description dans une lettre quand il vivait en Californie. Il regardait depuis la fenêtre de sa maison. Il a vu un jeune homme qui, durant 2 heures, polissait sa voiture rouge. Et Huxley ne comprenait pas pourquoi perdre du temps à faire cela. Il n'était pas du tout un homme de la société de consommation. Comment vous avez commencé à écrire ? L'ancien professeur de français cherchera à s'extraire du consumérisme ambiant, à sa manière. Vous avez fait une expérience assez troublante. Vous avez pris une dose de mescaline pour expérimenter les effets de cette drogue sur l'esprit, sur la conscience. J'ai pris la mescaline une ou deux fois et puis l'acide lysergique 2 ou 3 fois avec plusieurs médecins et physiologistes. Et c'est une chose vraiment très extraordinaire parce qu'on fait l'exploration d'une terra incognita de l'esprit. On se rend compte qu'on porte avec lui une espèce de continents complètement inconnus dans son cerveau. On pénétrait dans une espèce de continent noir
qui ne ressemble en rien au monde ordinaire. Dans son ouvrage « Les portes de la perception », Huxley relate sa première expérience sous mescaline. Lui, l'aristocrate anglais, devient du même coup l'une des icônes de la Beat Generation et du mouvement hippie. Jim Morrison baptisera son groupe de rock The Doors en hommage au titre du livre. Treize ans après la disparition de George Orwell, Aldous Huxley, auteur britannique, penseur visionnaire et gourou de la contre-culture, choisit de mourir sous LSD le 22 novembre 1963. Il sait qu'il ne gagnera pas contre le cancer de la gorge qui le ronge depuis 3 ans. This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be waived. Mais les crises et les pleurs qui secouent ce jour-là l'Amérique ne sont pas pour lui. Il a eu l'intelligence, la sagesse, de mourir le seul jour où personne ne le remarquerait. Où personne ne remarquerait qu'Aldous Huxley venait de mourir. Il a choisi le 22 novembre 1963. Le jour où John Fitzgerald Kennedy a été tué. Donc, si vous voulez vous échapper de la ville sans que personne ne le remarque, c'est comme ça qu'il faut le faire. 70 ans plus tard, lequel de ces deux auteurs anglais avait-il le mieux anticipé notre monde ? Orwell ou Huxley ? Vivons-nous dans l'univers de 1984 ou dans celui du meilleur des mondes ? À moins que ce ne soit une sorte d'hybride des deux. Un pays aujourd'hui se présente comme une parfaite synthèse des deux romans. Entre surveillance de masse et société high-tech. Entre régime totalitaire et paradis consumériste, la Chine incarne le meilleur des mondes orwelliens. Avec plus d'un milliard de citoyens cobayes à sa disposition, la Chine est en train de devenir un gigantesque laboratoire d'expérimentation des nouvelles technologies de contrôle. In China, there is social credit. En Chine, il y a le crédit social. Vous avez un certain nombre de points, une note, et celle-ci grimpe si le gouvernement approuve ce que vous faites, ou chute si, par exemple, vous communiquez avec des gens moins bien notés que vous. C'est un instrument très puissant pour vous forcer à obéir et à vous soumettre. Des points en plus sur votre carnet de notes citoyen pour l'achat de produits chinois, de bonnes performances au travail, ou la publication sur un réseau social d'un article vantant les mérites de l'économie nationale. Des points en moins en cas d'opinion politique dissidente, de recherches en ligne suspectes, ou de passages piétons traversés à la hâte. Évidemment, un mauvais bulletin donne lieu à des sanctions. Interdiction d'acheter un billet de train ou d'avion durant 1 an. Impossibilité d'obtenir un prêt, d'accéder à certains services sociaux, ou encore de s'inscrire sur un site de rencontre. On va avoir un mélange Huxley-Orwell avec effectivement d'un côté une société de la carotte, une société de la jouissance, de la consommation, du bien noté, du bon élève, parce que c'est vrai que le crédit social, bon, ben, ça peut être déficitaire, mais ça peut être aussi excédentaire, donc ça vous donne accès à quantité de petits mini-privilèges, et donc vous troquez votre immense liberté pour des tout petits privilèges, narcissiques ou matérialistes, enfin bon. Et puis de l'autre côté, le bâton, qui peut être effectivement plutôt orwellien, même si c'est un peu caricatural, en disant, voilà, ben, si vous ne faites pas ça, vous êtes immédiatement mise au banc de la société. Et pour que rien n'échappe au régime, 400 millions de caméras à reconnaissance faciale sont en train d'être installées à travers tout le pays. Impossible désormais de se dérober à cet œil tout-puissant plus de 7 minutes. Que vous soyez dans la rue, dans les transports ou chez vous, Big Brother is watching you. Le téléécran captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. Il pouvait être vu, aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas de moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois
et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. Big Brother est obsolète dans sa version verticale. En revanche, dans sa version atomisée, fragmentée, égalitaire du Little Brothers, partout, panoptique, mais au sens d'une revisite du panoptique, il n'y a pas qu'un seul endroit, partout il y a des yeux, partout il y a des capteurs, et c'est sans doute la manière, encore une fois, de naturaliser la surveillance, de la rendre invisible, de la rendre, entre guillemets, faussement égalitaire, c'est-à-dire tout le monde peut me nuire, mais de fait, je peux éventuellement nuire à tout le monde. Et c'est bien évidemment, les réseaux sociaux, un magnifique outil d'ordre social. Mais aussi pas simplement d'ordre en surplomb, mais d'ordre en horizontal. C'est-à-dire que, voilà, on fait attention à nos comportements, on les met en scène. There was a phrase that Huxley... Il y avait une phrase que Huxley répétait au sujet de la société moderne, sur comment on nous faisait aimer notre condition d'esclave, comment nous avons l'impression que nous sommes aux manettes alors que nous faisons ce que l'on nous demande. Huxley pensait que nous nous autorisions trop à nous faire manipuler, à penser que nous étions libres alors que nous ne le sommes pas. Qu'est-ce que j'éprouverais si j'étais libre? Si je n'étais pas asservi par mon conditionnement? N'avez-vous pas le désir d'être libre, Lénina? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je le suis, libre. Libre de me payer du bon temps, le meilleur qui soit. Tout le monde est heureux à présent.